Camarade survivant, camarade survivante, allô, allô, c'est Fredo sous les traits de Ragnar Lopez qui vous parle en direct de Aska, Aska, jeu qui ressemble fortement à Valheim, de base building, de micro-gestion, de colonies, de découverte, de bagarre bien sûr. On a amélioré notre petit feu de camp, hier c'était la nuit, on s'ennuyait, alors on a fait un feu de camp normal, pas un petit feu de camp à la con, et on nous a demandé une houe pour aplanir, donc on va aplanir. Voilà, et on a gagné un feu de camp. Et maintenant, on va mettre des trucs dedans. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui... Non, merci. Non, mais je veux pas épingler les... Je veux désépingler. C'est quoi? C'est la lettre Q, peut-être. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque des pierres, il manque des bâtons. Des pierres, j'en ai pas. Bon, bah, vous savez quoi? Je pense que pour faire cuire ceci... Il faut avoir un barbecue. On remarque qu'elle a une durabilité. Vous voyez en bas, 53 sur 100 en dessous de la viande. Donc ça veut dire que ça daube. Même la résine, elle daube. Et les baies, pareil, 42 sur 100. Donc je vais manger en priorité ce qui est mangeable. Bon, je vous rappelle que nous, on n'était pas venus spécialement se faire des feux de camp. On va ramasser des baies pour vivre. J'ai pas trouvé comment me soigner non plus. Je sais que je ne suis pas très malin, mais c'est pas très grave. On va continuer dans ce second épisode de visiter un peu les alentours avec Ragnar Lopez, toujours prêt pour la bagarre. Là, on est vraiment dans de la forêt profonde. Je sais pas comment est grande la map, c'est ça qui m'inquiète. En largeur, c'est petit, vous voyez? Donc, je sais pas. C'est quoi ça? Un feu follet de sagesse? Je m'en fous, moi, de ça. Vas-y, j'enlève. On va continuer tout droit. Ouais, non, mais là, c'est la nuit noire. Je peux pas rentrer là-dedans. Quelle heure il est? 7h du matin? Pourquoi il fait nuit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a donné un message. Il va me dire encore qu'il faut que je fasse un feu de camp, non? Ouais, c'est ça. Il est... Ouais, non, mais il est psychotique, le bestiau. C'est pas grave. Allez, le jour se lève. On s'engage. Plein est dans la forêt profonde. On n'a pas peur. N'a pas peur, comme on dit. Ça va bien aller. En avant les gars. On est parti. On suit les aventures. Pour le moment ça va. Je regarde ce qu'il y a autour. Pas... ouais. Un rougeau. Des moules. Ok. Et si eux, il va pas venir. Ah! Oh là là! C'est qui lui? Oh! Lui, ça a pas l'air d'être un mec cool. Oh, Fada! Allez, allez, allez! Je me barre. Je peux pas me barrer. Je suis mort! Ah non, je me suis retrouvé encore avec mon pointeur de souris en plein milieu, je sais pas pourquoi. Aucun villageois restant à sacrifier. L'épisode, les gars, commence mal. C'est pas grave. Allons-y. En avant les avant... je sais pas où je vais respawn. J'imagine à mon point de spawn de départ, ça va être dommage. Non? Oui. Oui, c'est dommage. D'accord, j'ai repris vie. Et j'en suis très, très heureux. Est-ce que j'ai l'endroit où je suis mort? Ouais, mais c'est à Babelwed l'endroit où je suis mort. Ouais, je vais mettre un marqueur quand même. Je peux pas mettre de marqueur. Est-ce qu'on va retourner là-bas? Ah ouais, mais par contre maintenant j'ai plus d'eau, j'ai plus d'air. Je suis à la dèche. D'accord, je l'accepte. Ici, là, y a rien, y a pas de cailloux, y a que dalle. J'ai rien. Sans déconner les gars, oh. Un peu de sérieux. Bon, allez, je pars plein sud. On s'en fout, on part plein sud. Épisode découverte. Y a pas de pierre, y a rien du tout. Si. Merci. J'ai gagné une pierre. Je sais pas si j'ai perdu les faveurs des dieux ou la lilala. Bon, on s'en fout. De toute façon, on était là pour visiter. Vous savez quoi? On visite. Je sais pas... dans Valheim, vous pouvez aller récupérer votre carcasse tant que vous voulez. Hein. Ça, c'est pas problématique. Elle se transforme en petit, en petite tombe de viking. Donc, c'est récupérable. Je prends du roseau. Je ferai des cordes.
Vous n'avez pas tellement besoin de vous déplacer en fait, c'est ça qui est pratique. Go go go. Cueillette 6. Ah non, j'ai pas perdu tout en fait. Bon, j'ai beaucoup de merdouilles. On va faire beaucoup de cordes. J'en ai pas assez. Hein? C'est pas des fibres. Ah non, on est d'accord. D'accord. En fait, le roseau, c'est du chaume. Peut-être obtenu à partir de roseau. Peut-être récupérer des fibres. Ah ouais. Eh ben, comment je fais des fibres textiles, moi? Ah, mais utilisez pas. Non, mais c'est pour faire des toits. Je le jette. J'en ai récupéré trop, excusez-moi. Je ne maîtrise pas le jeu. Barrons-nous. Descendons au sud. Let's go south. Comme on dit en Suède. Je veux voir à peu près la taille de cette map. C'est ça qui m'intrigue. Parce que vu qu'elle est générée procéduralement comme dans Valheim, si elle est géante, c'est sympa. Si elle est minus, qu'est-ce que tu veux toi? Vas-y, fais pas chier toi. Bon, à la main, c'est plus dur de les tuer. Hein. De stam. Et quand on a plus de stam, on peut plus faire de roulade. Voilà. Je m'en fous, j'ai de la vie. Bon, c'est comme les petits nimbus. Hein. Comme les petits nimbus de Valheim, au début, ils sont un petit peu durs à tuer. Mais dès que vous avez un peu d'armement, c'est la fête. Pardon, des cordes. Je fais des cordes. Je préfère avoir des cordes. Et s'il veut me dire que je fasse un feu, j'en ai marre. Fous-moi la paix avec ton feu, tu m'emmerdes. Pardon, excusez-moi YouTube. Donne un caillou. Les cailloux, c'est bien. Les cailloux, c'est important dans la vie. Tiens, des moules. On va les prendre, on les mangera plus tard. Ok, go. J'ai un peu soif. Bah ouais, qu'est-ce que j'y fasse de mieux, moi. Je peux pas faire beaucoup mieux. Sur le bord de l'eau, il y a pas mal de ces petites bestioles flottantes. J'en vois une, là, encore. Ça m'énerve. Bon, les roseaux, c'est bon. J'en ai assez. Exploration. Donc, sur le bord de l'eau, vous avez des moules pour manger. Ok, j'ai un petit peu faim, ce que je vais faire, je vais manger. Il nous faudrait des petits arbrisseaux pour faire... Tiens, on va prendre du lin. Ouais, ça va, on commence à maîtriser. Là. Non, le sapin, non, pas tout de suite. Il me faudrait des épicéas, tiens, des baies. Allez, go. Oh, on a ce qu'il faut au début pour survivre dans la nature. Hein. Ça va, ça va, ça va. Lui, il veut quoi? Que je fasse encore mon feu de camp? Arrête, arrête, tu me saoules. Sans rire, sans rigoler. Non mais... Oh, c'est psychotique. Sans rire. Prends des baies, prends des baies, prends des baies. On est sur un autre bateau. Il y a beaucoup de bateaux échoués dans ce secteur, on dirait. Observation du périmètre. Et Pierre. Qu'est-ce que tu veux? Oh, vous êtes qui, vous, là? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je me barre. Laissez-moi tranquille. Si je nage, ils peuvent pas m'attraper. J'ai pas de stam. Vas-y, je vais dans l'eau. Hein. Ouais, c'est bon, l'autre il meurt de froid, arrête tes conneries. Où ils sont les clodos? Ah, ils m'ont pas suivi dans l'eau. Ils sont là-bas. Bon, il faut que je sorte de là, j'ai froid. C'est quoi ce truc? Non, mais toi, tu fous la paix, toi. Je sais pas qui c'est ces mecs, mais ils ne me plaisent guère. Mais vu que de toute évidence, ils aiment pas l'eau, on n'est pas trop emmerdé avec eux. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau, là-bas? Vas-y. Non mais... Oh, c'est bon, non? Lui non plus, il va pas dans l'eau. Vas-y, fous la paix, tu m'énerves. Casse-toi, sale bête.
Bon, allez, je sors de l'eau, je me barre. Je sais pas où je suis. Ouais, bon, ouais. Je suis plus froid, je suis plus humide parce qu'il fait beau. C'est quoi cette pierre colorée là? Ah non, c'est parce qu'il y a des. D'accord. C'est du sand jodrun là, machin. Avec des plantes roses devant. Ça serait bien. Voilà. Un épicé à nain pour prendre des bâtons. Ça m'intéresse beaucoup. Je veux, si possible, une massue. Qu'est-ce qui me manque? Des bâtons. Ah, de la résine. Il me faut une hache. On va récupérer de l'épicé à nain. Vous inquiétez pas, j'ai bon espoir. Et du lin. On est plutôt dans un bon biome. Alors j'ai des graines. Les graines, ça va pas me servir. Parce que je vais pas les planter. Ok. Les graines, elles sont rouges, je les jette. Ça, je vais mettre en 4 en attendant. Ça, je vais mettre en 5. Et ça, je vais mettre en 0. De l'épicé à nain. Vite, 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 vite. Calme-toi, laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix. C'est du harcèlement. Je ne veux pas faire un feu. J'ai déjà fait un feu. Où sont les épicés à nain? Observation. C'est quoi ce truc? Un nid d'oiseau. Vas-y, je prends des plumes. Alors le problème, c'est que ce truc, pour le voir, si tu fais pas l'observation, t'es cravaté. Là, c'est clair et net. Est-ce que je peux avoir une hache? Ça, c'est un épicé à nain, ça, non? Ouais, ça ressemble à un épicé à nain. Alors, on a une petite carte en haut, qui n'est pas très grande. Je sais pas si on peut la dézoomer. Pardon. Alors, je veux un... Qu'est-ce que je vais faire? Une hache en pierre. Qu'est-ce qu'il me faut? Des corps... Et je vais faire des lames... J'en fais deux. Ok. Maintenant, je veux une hache. Vas-y. Ok, maintenant je veux la bagarre. Qu'est-ce qu'il me faut? Des bâtons. J'ai pas de bâtons, mais j'ai une hache. Et avec une hache, on est les rois du pétrole. J'ai un peu soif. Écoute, qu'est-ce que je te dis? J'ai pas d'eau. Oh oui. Ouais, non, là c'est la mise à l'amende directe. Ok. Je me barre. Ça ressemble de plus en plus à du marécage, hein, sans rigoler. Voilà, des moulettes, on les mange. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et j'ai soif. Et comment je vais boire, je l'ignore. Donc je vais observer. Et je vois rien de spécial. Qu'est-ce qui se passe? Changement de climat radical, les gars. Ah, il va pleuvoir. Magnifique. C'est bien, c'est bien. Il y a, apparemment, en plus, il y a des saisons. Alors, ça va bien jusqu'à l'hiver. Par contre, quand vous commencez d'arriver à l'hiver, ça va pas bien du tout. Donc là, je vais me geler et on va me demander quoi? Faire un feu. Faites voir la map. On va longer. Pourquoi c'est comme ça, là? Ah, c'est peut-être les eaux profondes, là. Je sais pas. Je prends des moules. Je vais manger aussi. Voilà. On va ramasser toutes les saloperies qu'on a. Go. Récolte, récolte, récolte. Bon, il tombe 3 gouttes pour le moment, ça va. Merci, la cueillette. Est-ce que je suis plus rapide maintenant en cueillette? Je l'ignore. Il y a des poissons. Hein. Le mec qui a faim, il peut se faire une canne à pêche. Qu'est-ce qu'il y a? Donnez-moi des bâtons que je me fasse une massue. R. Pardon. Voilà. Hop. Vas-y, fais des bâtons. Donne des bâtons, de la résine. Non mais ça, je m'en fous de ça, moi. Balance-moi ça. Voilà. Allez, go. Allez, on se fait des petits bâtons, on va se faire encore une... On va se refaire une massue. Vas-y, jette... Oh, mais c'est déjà la nuit? Ah ouais, c'est 20h. Mon inventaire est plein de saloperies.
Pas grave, on va fabriquer un truc. Une massue fragile. Magique. Ah d'accord, quand vous cliquez, en fait, ça remplace. C'est très bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir fabriquer? Mon inventaire est en plein. Plein de saloperies. Bon, vous savez quoi? Je vais fabriquer un feu de camp. De toute évidence, j'ai pas le... Ah ouais, mais là, il pleut, il va s'éteindre. Et oui, c'était prévu, ça. Bon, bah, je continue ma route. Tant pis. Je vais me fabriquer un couteau. Des fois que je croise une bête. C'est pas là-dedans. Le bouclier, je le fais pas, hein, je m'en fous. Un couteau de pierre, vas-y. Voilà. J'ai mon petit armement basique. Tranquille. 20 et... Ça continue. On n'est pas m'emmerder, j'ai du matériel. Allez voir. Sale temps, sale temps. Bon, ah, les effets de flotte sont pas magiques. Hein. On n'est pas dans Miss Created. Hein. Mais c'est un bon début. Et si je me mets là, est-ce qu'il pleut? J'essaierai bien de faire un feu. Je peux essayer, on s'en fout après tout. Je peux pas. Je le mets complètement sous l'arbre. On l'allume. On va voir si ça fait un peu des flammes. Sous la pluie, normalement, non. Après, on est sous un saule pleureur. Ça peut aider. J'ai soif. J'ai grave soif. Mais j'ai pas d'eau. Donc, je vais manger des baies. D'accord. Bois humide. Donc, ce qu'on a fait, c'était pour rien. J'ai très soif, donc je vais manger des baies. Vas-y. Allez, on bouffe des baies en attendant que ça se calme. Je sens que ma force augmente. Carrément. Je me sens mieux, les gars. Vas-y, je mange. C'est mieux. Ça fait pas remonter beaucoup la soif, mais ça la fait remonter quand même, quoi qu'il arrive. Vas-y, mange, mon vieux Lopez. Impossible d'allumer. Ouais. Améliorer, je veux pas tellement l'améliorer. On va pas le désassembler. Je vais le désassembler, vous savez quoi? Je vais récupérer quoi? Plus 5. Je sais pas si j'ai récupéré grand chose. Pourquoi ma hache elle est là? Je pense pas que j'ai récupéré grand chose, franchement. Des fibres textiles. Des graines de lin, les graines de lin, j'en ai pas l'utilité. Des plumes, ouais, pour faire des arcs. Ok. Bon, bah, vous savez quoi? Je continue ma route. Tant pis. S'il fait nuit, on avisera. Let's go. Ouais, 23h. 23h, il va faire sombre très vite. Hein, j'en ai peur. Mais je suis quand même curieux de voir. Oh, encore des moules. De la bouffe. C'était où? Devant moi. Je sais pas si ça me donne. Qu'est-ce qui se passe? Encore la bagarre. J'entends des bruits. Ah ouais, d'accord. Ok, reste calme, toi. Il m'a même donné un bâton, c'est cool. Voyons ce qui se passe quand on mange des moules. 6. Ça redonne. Ah, si. Ça redonne un petit peu d'eau. Ah, j'ai plus faim par contre. J'espère que je vais pas vomir. Alors, je mange des moules. Ok, je mange des baies. Ouais, ça donne pareil. Donc, sur le bord de l'eau, on a ces bestioles. C'est étonnant que ça donne des bâtons, ce truc. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Non, mais fous-moi la paix, toi. Ton feu de camp, là, tu m'emmerdes. J'en ai marre. Je suis pas très confiant sur la taille de la map, je vous l'avouerai. C'est quoi ce truc? Ça c'est quoi? Ça c'est un caillou, non? Ah non, c'est des champignons! Ah, on a trouvé une nouvelle ressource. Une
une champ. Je sais pas si c'est très bon. Ça, c'est quoi? Un amas de pierre. Superbe. Bon, je vais me cacher au pied de ce sapin. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, le truc est pratique avec l'observation. Mettez-la sur une touche facile d'accès. Hein. Moi, je l'ai mis sur une touche souris parce que vous vous en servez très souvent. Sinon vous êtes emmerdé. Il y a encore un vilain là-bas. Je me cache ici, j'attends qu'il fasse jour et je vous retrouve pour la suite des aventures de Ragnar Lopez, ok? A tout de suite. Soyez prudents. Ok les amigos, le jour se lève, j'en ai profité pour faire des bâtons, tailler des saloperies, je me suis fabriqué un arc mais je ne peux pas me faire de flèches parce que pas de chance, pour faire des flèches il faut 5 plumes et moi j'en ai 3, ce qui est dommage, peut-être qu'on trouvera d'autres nids, je ne ramasse plus de trucs pour le moment, je continue mon petit tour, par contre j'ai soif, alors je mange des baies, je mange des moules, je mange toutes sortes de trucs dégueulasses. Calme-toi, calme-toi. Prends ta massue si tu dois faire la bagarre. Reste tranquille. Pourquoi est-ce que j'ai un petit carré noir en bas à droite qui s'est mis à côté de ma massue? Je ne sais pas. Peut-être parce que je peux prendre quelque chose dans mon autre main. J'ai mis un marqueur sur l'endroit où j'étais décédé. Par contre, je ne suis pas confiant sur la taille de la map. Allons-y. On a des moules. J'ai très 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 soif, donc je vais manger à tour de bras. J'ai peur que ça me tue à la longue. On verra. Hein. J'ai des champignons. Alors les champignons, je serais assez tenté de les essayer. On va reprendre des moules pour pas mourir de soif. Ouais, entre les moules et les baies. Eh, par contre, ça m'a pas remonté ma soif là. C'est quoi ce bordel? Fais voir le champignon. Je mange un champignon. Ouais, non mais j'ai soif. J'ai plus de baies. C'est ennuyeux. Je continue de manger les moules. Ça, ouais, ça me remonte, mais vraiment doucement, quoi. C'est un demi, parfois, où je mange. Une demi-barre de soif, même pas. Attendez. J'en ai plus? Si, j'en ai. C'est quoi la nuit noire là? On peut pas boire dans l'eau là. Ça serait pratique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Arg. Et si, ah, c'est le troisième jour, merci. 0, 5. Si j'appuie sur 5, il se passe rien. Si j'appuie sur 0, il se passe rien. Je peux pas prendre d'eau là-dedans. Eh non, je suis cravaté. J'ai très soif, je sais mon gros, je sais. Arrête de flipper comme ça tout le temps. Là, de toute façon, on n'a rien. On a des moules, c'est tout ce qu'on a. On va les ramasser, on s'en fout. On ramasse. Hop, go, 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 go. Calmez-vous. Petite musique de succès. I like. Bon, ouais, on arrête de ramasser. De toute façon, je veux dire, bon, si on meurt, c'est pas grave. On n'était pas là, on n'est pas parti sur une survie longue. Hein. C'était juste un petit test découverte. Le jeu est sympa. Le jeu vraiment est sympa. Je pense que c'est vraiment un jeu à jouer à plusieurs pour se faire vraiment, et sans rigoler, hein. Tout ce que vous pouvez fabriquer, c'est de la folie, quoi. Je veux dire, les maisons, les... Regardez. Des réserves, des machins, décidez ça. Un quai. Pour faire un quai. Non, je pense que vous pouvez vous faire un bon petit village. Et je pense qu'arriver une certaine saison, c'est ce que j'ai écouté dire, arriver l'hiver, vous subissez des attaques assez sévères. Comme dans Valheim, quand les bêtes des marécages viennent vous attaquer, ou quand les trolls viennent vous attaquer. Mais je pense qu'on peut s'en prémunir. À mon avis, c'est faisable. Ferme-la, toi. Allez, go. Je me barre, j'ai pas envie de faire la bagarre avec eux, c'est pas mon objectif. J'ai plus de stam. Je cours. Je cherche pas les embrouilles. Alors ce qui manque un petit peu, à la différence de Valheim, c'est des habitations. C'est des petites habitations tranquilles. De ci, de là, qu'on pourrait squatter, se mettre dedans pour faire un feu. C'est vrai que le côté île abandonnée, où il y a eu des gens, c'est sympa dans Valheim.
Alors, j'arrive prochainement sur ma carcasse. Souvenez-vous, c'est là où il y avait des gars pas cool. Est-ce que je vais récupérer... Alors, attendez. Pardon. Ouais, c'était à peu près par ici, on va dire. Bon, par contre, j'ai fait le tour de la map. Hein. Alors, j'espère que c'est une... Je vais pas vous spoiler. En fait, je n'aurai peut-être pas le temps de faire tout le tour de la map. Mais vous ne saurez pas s'il y a quelque chose au nord ou pas au nord. S'il n'y a pas grand-chose au nord, ça veut dire que l'île est vraiment petite. Et ça, ça serait dommage. Où il est, mon marqueur, là? D'habitude, on le voit. Ouais, non, mais des moules, je m'en fous. Oh, il s'est passé un truc, là. Ah ouais, il s'est passé un truc, bien sûr qu'il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc qu'il y a les autres cons de la lune qui sont là. Je sais pas s'ils sont faciles à battre. Si, on peut. Ils sont quand même nombreux. Ouais, mais on les calme un peu. On va les calmer, vous allez voir. Voilà. Cherche pas les embrouilles, toi, cogno. Qu'est-ce qu'ils ont, spectre? R. Qu'est-ce qu'on récolte sur des spectres? Oh là 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 là. Il y en a un autre là-bas. Une écharde. Merde, je me suis mis une écharde. Eh, c'est très dur à... C'est très dur à dépecer, les spectres. Oh, je vais mourir. J'ai plus d'eau. Allez, go, 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 go. Dépêche-toi, j'ai plus d'eau. 6. Mange, 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 mange. C'est dégueulasse. Je suis en train de mourir de soif. Je le sais que je suis en train de mourir de soif. Ma vie ne remonte plus. est-ce que là, ça serait ma carcasse? C'est quoi ce truc? Ouais, je suis en train de décéder. Je suis en train de décéder. Et ça, c'est quoi? Ah, c'était mes affaires! Ouais, mais je suis en train de mourir. Bon, bah tant pis. On va battre. On va se défendre. Chèrement. J'ai plus de stam, j'ai plus de stam parce que j'ai plus de flotte. Si je me mets au milieu de la flaque, est-ce qu'ils oseront m'attaquer? Oh, magique, 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 magique. Je mange un champignon en attendant. Ah, le champignon, ça me remonte? Non. Vas-y, j'essaye de reprendre de... Ah si, ma flotte remonte. Ah mais attendez. Est-ce que ma flotte remonte parce que je suis dans l'eau? Non. Ma flotte remonte parce que je mange dans l'eau. Ouais, oh, c'est quoi c'est... Bon, par contre, la vie, je sais pas trop comment on la remonte, hein, franchement. Vous avez... Hey, vous avez peur de l'eau, les gros? C'est dommage. Donc, on est sur un... De toute évidence, on est sur un POI un peu magique, là, où il y a 2-3 revenants. Alors, les revenants, je suppose que si vous avez de vrais armements, vous les défoncez, parce que là, à la massue, ça va, hein, franchement. Hein. Et si tu veux, tu vas venir dans l'eau m'emmerder? Viens, tu vas voir ce qui va t'arriver, toi. Viens, 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 tu vas voir, regarde. Hop. Tu vas voir. Viens, 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 viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Ouais, voilà. Oh, mais attendez. Voilà. Ouais, mais c'est bon, on a trouvé le glitch, les gars. Oh, il est assommé. Oh, putain. Il fait mal, quand même. Voilà, toi t'es assommé. Est-ce qu'ils spawnent à l'infini ces cons là? Je l'ignore. Je vais prendre des moules à nouveau pour manger. Oh là. On verra plus tard. Viens là toi. Viens vilain.
je fasse gaffe, la prochaine calotte que je prends, je peux être mort. Bon, hey, on a trouvé un petit glitch amusant. Ah, c'est pas de la triche, c'est simplement qu'ils ont peur de l'eau. Donc vous allez dans l'eau et ils restent sur la surface, c'est pas grave. Ok, bon bah, ça aura été notre petit test. Petit test découverte de la map, hein, pas du gameplay, hein. Vous avez vu, j'ai rien fait. J'ai pas fait cuire d'aliments, j'ai pas trouvé comment me soigner, je suis une vraie buse, je l'assume. Je respawn, merci bien. Une partie de moi est perdue à jamais, je l'accepte. C'est pas grave, mon vieux Ragnar Lopez, tu as fait ce que tu pouvais sur les plages de cette île qui n'a pas l'air géante. Alors après, à voir. Vous savez quoi ? Pour finir l'aventure, on va partir au nord. Juste comme ça, hein. On va essayer de monter le plus au nord possible, voir. Simplement voir ce qui se passe. Et je pense, comme je disais, que ce jeu mériterait du multi, mais du vrai multi sur une map grande. Alors là, on est... Attendez, hein. Par contre, c'est pareil. Hein. On ne peut pas non plus préjuger de ce que sera le jeu. On est sur une démo. Le jeu n'est pas encore sorti, c'est même pas en pré-alpha. C'est une démo, c'est tout, rien d'autre. Je récolte rien, j'avance, simplement j'avance. Ça garde en mémoire ce qu'on a fait. Ok, bah oui forcément vu que c'est notre map. Ça veut dire que les arbres qu'on a coupés sont coupés. Je vais essayer d'avancer le plus au nord. Voir un peu comment ça se dordille. Regarde-le lui. Non mais je vous connais, c'est bon, regardez. Hop, on va dans l'eau. Ils essayent de me nuire. Mais ils n'y arrivent pas. Allez, barre. Sauve-toi, j'ai pas envie de faire la bagarre avec eux. Je suppose qu'on peut les semer assez rapidement. Je l'espère. Est-ce qu'on a un système d'île ou pas à côté où on pourrait aller en bateau? Parce qu'il y a des bateaux. Vous avez vu, il y a des bateaux, il y a toutes sortes de trucs. Après, si le jeu se limite à jouer avec des potes en PVE... Fabriquer un village le plus complet possible, un peu à la Life is Feudal, mais sans autre objectif, ça va être court. C'est vrai que ça, il faut le dire, ça serait dommage. Par contre, ouais, par contre, sur une grosse map, peut-être qu'on est... Ah, c'est pareil, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être qu'on est sur une toute petite île et qu'il y en a des grosses à côté. Je sais pas, je peux pas vous le dire. Les amis, je suis triste, mais je ne peux pas vous le dire, je l'ignore. Qu'est-ce que tu veux, toi? Barre-toi. Allez, on finit cet épisode en longeant la côte nord. On est plein nord, et de toute évidence, plein nord, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Non. Au nord, il y avait nous. C'est tout. Faites voir la map. D'accord. Dakodak. Alors, est-ce qu'on est, voilà, est-ce qu'on est, mystère, hein, ça sera teasing. Est-ce qu'on est sur une petite île, et on fabrique un bateau, et on va sur des grosses îles? Je sais pas. On a vu quelques biomes. On a vu la forêt normale, on a vu la forêt de bouleau et on a vu la forêt de sapin. On est tombé sur quelques POI magiques. Bon, pour le moment, à part le premier qu'on a vu, là, souvenez-vous, là, qui sortait de l'eau, l'espèce de gros golem horrible au début de l'épisode. On a vu des revenants qui sont pas très durs à brain, on va dire. Après, on peut le comprendre, ils sont un peu cons, c'est des revenants, c'est normal. C'est l'équivalent des zombies. Hein. Mais je sais pas, on verra. On n'a pas vu grand chose. Je pense que ça va être tout ça, c'est du work in progress. Est-ce qu'on remonte encore un peu au nord là? Peut-être. Ferme-la. Laisse-moi tranquille. Par contre, j'ai pas de stam. Hein. Ça, c'est un truc qu'il va vraiment falloir que je bosse dans les épées. Enfin, si je prends le jeu un jour, il faudra que je travaille ça. Je pense que ça s'améliore. On n'a vraiment pas de stam. Alors, je sais pas si c'est lié à l'alimentation ou je ne sais pas. Foutez-moi la paix là. C'est bon, non? 2 minutes. Faut pas me battre avec vous. Vous m'emmerdez la vie. Laissez-moi. Ouais, d'accord. Côte nord. Je pense que cette fois, on est vraiment sur la côte nord. Donc, on peut manger des coquillages, on peut manger des baies. La soif, c'est le problème. La soif, c'est vraiment le problème. Oh, mais attendez, non, c'est peut-être pas la côte nord. Parce que là-bas, il y a encore des trucs. Ah, allez, je vais voir un peu plus loin. C'est comme dans Minecraft, ça. C'est one more brick. On peut jamais s'arrêter. Fous la paix, toi. J'ai besoin de boire, je le sais. C'est pas vraiment dangereux ces bestioles. Hein.
une petite péninsule. Une petite péninsule comme ça, par contre, si tu peux tout terraformer, ça vaut la peine de faire ta villa, ta base dedans. Tu fais ton petit village ici, tranquille. Ouais. Bon, c'est pas très varié comme décor. Il y a des poissons qui sautent dans l'eau, c'est très gentil. C'est pas mal. Mais je pense que à voir quand le jeu sera plus avancé. Il y a plein de features qui sont pas encore en place, c'est normal. On verra, on peut pas dire. Fermez-la, mais laissez. Ah, là voilà. Là, c'est pas la même. Parce qu'on est au jour de survie 3 et les morts se mettent en route. Bah, moi ça me fout la trouille, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ils vont m'emmerder là, moi ou pas? Parce que là, j'ai rien, moi. Là, je suis comme un con, là. Est-ce que c'est parce que je suis venu ici? Peut-être pas. Non, c'est parce qu'il est 20h20. Je cherche pas les histoires. Hein. L'une de ses morts, il a dit, le cousin. Ça fait pas peur à Agnar Lopez, ça, mon cousin. Allez, go, la lune de ses morts. Tu vas voir la calotte de tes morts. On se sauve. Filons de là. J'ai plus froid et je suis plus humide. Ça, c'est un peu cheaté parce que je viens à peine de sortir de l'eau. Mais c'est pas grave. Donc, de toute évidence, attaque. Tower defense. Là-bas, il y a des cailloux dans l'eau. Ouais. C'est bien. La question. Ah, mais arrêtez-vous. 2 minutes. Vous me saoulez, là. Tiens, on va nager jusque-là. Allez, go. Nage. Je peux pas nager plus vite. D'accord. Quand j'appuie sur X, ça arrête tout. Mais laissez-moi tranquille. C'est des racines, en fait, ces trucs. Alors, où sommes-nous? Découverte de la map. Ouais, d'accord. Bon. Bon, bah, tant pis pour le spoil. Hein. Bouclons la boucle. On va essayer de boucler la boucle. Voir si on a vraiment fait le tour de l'île. Et voir s'il nous arrive quelque chose avec l'île de sang de ses morts. Là. La nuit de sang. Pardon. Pour le moment, il n'y a pas de danger majeur. Là, je suis attaqué par des éponges volantes. Ça va. Mais je serais quand même assez curieux, ouais, de me lancer dans la construction d'un village. Faire du terraforming, essayer toutes sortes de trucs, voir comment ça se passe. Go. C'est la nuit, hein, je suis désolé, j'ai pas fait de torche ni rien. Je suis pas attaqué, hein, à proprement parler. Ça se passe plutôt bien. Ouais, on est arrivé. Bon. Eh ben, l'île n'est pas très grande. C'est tout ce qu'on peut dire. Fous-moi la paix. Bon, par contre, si vous jouez, faites plaisir au petit feu follet. Faites tout ce qu'il vous demande parce que c'est pesant au bout d'un moment. Cette espèce de petite flamme bleue qui revient tout le temps pour te dire « Tiens, tu n'as pas fait de feu de camp. » Ok. Je pense que je suis mort là-dedans. Ah non, je me sens plus aussi robuste, ça c'est sûr. Où sont mes revenants? Ils sont pas là. Bon bah c'est pas grave. Ok. Ah ouais, j'ai froid. Tout va mal. Ok. Bon bah les amis, c'est sur ces entrefaits en pleine nuit sanglante. Je sais pas qui pourrait m'attaquer. On ne le saura jamais. Vous savez pourquoi? On va pas trop spoiler le jeu. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ma vidéo. Si vous la regardez déjà, je vous remercie, c'est très gentil. Et on va se retrouver très très prochainement pour autre chose. On va continuer des aventures sur d'autres jeux. Je vous souhaite une bonne survie, camarades, et à la prochaine.